Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 8 avril 2023. Il est 9h. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, comme chaque mois, voilà le dernier numéro des Nouvelles d'Arménie Magazine du mois d'avril qui vient de paraître. Voilà, donc un numéro comme chaque mois, donc comme on le lit avec des reportages, beaucoup d'éléments sur l'Arménie, hein, beaucoup de photos dans la région de Syunik, en fait, en Arménie, hein. Voilà, réalisé par les photographes des Nouvelles d'Arménie. Il y a tout. Donc, voilà, la Cour de justice de La Haye, un article aussi sur la condamnation de l'Azerbaïdjan. Valérie Boyer, bien sûr, qui défend toujours l'Arménie et la cause arménienne. Beaucoup d'éléments, en fait, des dossiers entiers qu'on lit avec plaisir. Bien sûr, la page quiz chaque mois. Et puis des éléments donc sur Valence, Lyon, Marseille, toutes les communautés en fait. Hein, info des communautés, donc Gallo-Paylan à Nice. Voilà. Voilà mes amis, Nouvelles d'Arménie Magazine qui vient de paraître. Bonne lecture pour ceux qui sont abonnés. Donc l'information donc hier, donc la marche de centaines de femmes de l'Artsakh, des femmes qui ont marché en direction du corridor de la Chine, en fait de Chouchi. Et se sont arrêtés au croisement entre le village de Chosh et Chouchi. Voilà, donc elles étaient parties donc du mémorial des victimes de la guerre de l'Artsakh à Stepanakert. Elles ont marché vers à peu près à 2 km donc, de ces lieux, vers un croisement d'une route entre Chosh et Chouchi. Plusieurs centaines de femmes avec des slogans, de très très nombreux slogans. Qui marchaient, donc avec les enfants aussi, hein, qui affirmaient, donc les slogans, portaient donc les éléments. Nous n'avons, je vais vous le dire, dans des villages, non, ça c'est un autre article mes amis, nous n'abandonnerons jamais l'Artsakh, en fait, voilà, c'est pour démontrer de l'âme de la nation arménienne de l'Artsakh. Nous ne nous rendrons pas, l'autodétermination de l'Artsakh est la seule alternative. Et arrêter le mal, assurer notre droit à la vie. Voilà, donc en anglais, en français, et puis en russe, hein, en trois langues, donc des beaucoup d'affiches, beaucoup de slogans. Bravo à ces femmes courage de l'Artsakh qui disent nous sommes derrière nos hommes de l'Artsakh pour la liberté du peuple arménien d'Artsakh. Bravo. Donc les mouvements commencent à se faire. Aujourd'hui, on est à peu près à 120 jours, pratiquement 4 mois du blocus du corridor de la Chine. Et la population commence à s'irriter et à se mobiliser davantage. Hein, voilà, donc contre l'agresseur azéri qui bloque le corridor de la Chine et qui désire réaliser une purge ethnique des Arméniens de l'Artsakh. Voilà, qui demande aux Arméniens pratiquement de l'Artsakh de partir, de laisser leur terre. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, une situation de blocage, il faut dire. Hein. Donc, voilà, malgré toutes les condamnations mondiales de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan ne bouge pas d'un iota, fort de son armée, fort du soutien de la Turquie, peut-être la Russie aussi. Voilà, donc, où on en est aujourd'hui. La situation, donc, elle est dramatique. Et nous pensons à chaque instant à nos compatriotes de l'Artsakh qui sont dans un îlot enfermé, encerclé comme une prison sur leur propre terre, une terre qui est merveilleuse et que nous on a eu la chance de la visiter plusieurs fois. Je pense qu'on aura d'autres occasions, mes amis, donc de la revisiter puisque l'Artsakh restera arménien de toute façon. Donc le village d'Aravno, donc c'est un Artsakh encore une fois, donc qui a été évacué il y a pas très longtemps. Pour, je pense, c'est la région du corridor de la Chine. Donc, ce village a été donc complètement détruit par l'occupant azéri. C'est ce qu'indique le centre pour la vérité et la justice, avec des photos satellites à l'appui. Donc, le village a pratiquement été rasé afin que l'Azerbaïdjan y construise, donc enlève toutes les traces de la population arménienne de ce village pour construire une autre ville ou village. Donc, à l'image des Azéris, de l'occupant azéri. Voilà encore une fois. C'est ce que le village d'Aravno qui a été sacrifié, c'est tous les villages de l'Artsakh qui sont occupés par l'Azerbaïdjan, qui ont la même menace qui pèse. D'ailleurs, certains villages ont dû être rasés pareil. Hein, donc nous n'avons pas encore des images. Mais en tout cas, la photo satellite de ce village d'Aravno qui a été cédé et rasé aujourd'hui par l'Azerbaïdjan prouve cette politique génocidaire de Bakou envers les Arméniens, voilà, qui
rase toute trace de la présence arménienne sur ces terres séculairement arméniennes. Le ministre arménien de la Défense, au ministère, pardon, le ministère arménien de la Défense a tenu une discussion hier sur le thème de l'engagement des femmes arméniennes au sein des forces armées d'Arménie. Voilà, donc on en parle de plus en plus, de faciliter l'accès aux femmes à l'armée, donc avec un engagement. Donc voilà, l'armée arménienne a besoin d'effectifs et les femmes peuvent compléter pleinement ces effectifs et pas que dans l'administration en fait, hein. Même sur le terrain, les femmes peuvent apporter beaucoup à l'armée arménienne. Nous avons de tireurs d'élite très très doués chez les femmes. Voilà, les femmes ont aussi des qualités. Et l'intégration à l'armée arménienne, comme sur le style d'Israël, hein, en fait, le Tsahal, ça serait donc une très très bonne chose pour l'Arménie qui a réellement besoin d'effectifs aussi face à un ennemi turco-azéri qui est bien sûr supérieur en nombre, mais que l'Arménie doit être toujours là, doit renforcer son armée pour faire face pour justement à sa sécurité tout simplement, hein, voilà. Que dire d'autre? Oui, les Azéris ont tiré en direction du village arménien, donc les villageois arméniens qui travaillaient en Arménie en fait, hein, dans la région de Khonzo, Khnatsar, c'est un village. Ils ont dans la région de Sunik, frontalière aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan, l'Artsakh occupé. Donc les Azéris, les soldats azéris, ont tiré sur des Arméniens qui travaillaient dans les champs, voilà, qui effectuaient donc des semailles du printemps dans le village de Khnatsar. Donc fort heureusement, pas de blessés. Bon, c'est chaque jour en fait, hein, je vous en parle, mais c'est chaque jour des violations du cessez-le-feu par l'armée azérie qui veut maintenir une pression, un climat de peur auprès des populations arméniennes des villages pour que ces villageois quittent les régions frontalières, afin que l'Azerbaïdjan occupe le terrain. C'est le grignotage, hein, c'est la politique d'extermination de Bakou. Grignoter, faire peur, mettre un climat de peur au sein de la population arménienne, de l'Artsakh comme en Arménie, comme au sud de l'Arménie dans la région de Syunik. Voilà aussi, donc, comment dirais-je, voilà les agissements turco-azéris. Un don de 107 millions de dirhams de Mikhail Vartanian, au maire d'enfants handicapés de la région de Gerargunik. Alors Mikhail Vartanian, c'est qui? C'est le beau-père de Henrik Mkhitaryan. Donc Henrik Mkhitaryan, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, a épousé sa fille Betty. Et ce mec, Mikhail Vartanian, avec son frère, en fait, qui ont le grand tabaco, le grand candy, et Massis Tabac, donc international, avec son frère Mikhail et Karen Vartanian. Ils ont hérité de leur père Renan Vartanian qui avait fondé et qui est disparu en 2014, qui avait fondé donc cette grande entreprise qui est l'un des plus importants payeurs d'impôts de l'Arménie. Les Vartanian, donc les frères Vartanian, régulièrement font des dons à l'armée arménienne, font des dons ici comme on a vu aux handicapés. Voilà une bonne mission. Qui ont aussi construit l'église, la cathédrale de Stepanakert. Ils ont financé. Bravo à eux en tout cas, bravo aussi à Henrik qui a épousé une famille qui est comment dirais-je, Henrik Mkhitaryan, qui a une famille patriote, voilà, bravo, c'est ce que je voulais dire. Beaucoup d'Arméniens, même nos riches Arméniens d'Arménie sont patriotes, hein, et versent régulièrement de l'argent, tant à l'armée qu'aux organisations, il faut quand même aussi le souligner. Hier, à Ankara, donc rencontre entre le ministre des Affaires étrangères de Russie, Lavrov, et le ministre et son homologue turc, donc Çavuşoğlu. Ankara estime nécessaire de conclure au plus vite un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'aussi a dit la Russie. Le chef de la diplomatie russe a dit que Moscou ferait tout pour pousser cette signature du traité de paix. Mais je dirais à quelles conditions? Quelles sont les conditions de ce traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? On a, nous, l'impression que c'est l'Azerbaïdjan qui veut mettre ces conditions. Et sans écouter l'Arménie, et puis surtout le droit à la sécurité des Arméniens de l'Artsakh. C'est aussi l'une des clés importantes en dehors de la frontière. 450 000 touristes en Arménie au premier trimestre 2023, c'est un record. Donc voilà, on a même des niveaux de 30% pratiquement supérieurs au niveau d'avant Covid de 2019. Le tourisme bat son plein, c'est un très très bon élément. Voilà, donc aussi pour l'économie de l'Arménie, mes amis. Aujourd'hui, cette année, avec ce chiffre-là, on dépassera les 2 millions de touristes à la fin de l'année.
Si cette tendance continue, elle n'a pas, comment dire, elle devrait continuer. Aller en Arménie, voilà, pour doper nos chiffres, pour doper l'économie arménienne qui en a besoin, parce que l'économie arménienne a doublé son budget à l'armée, passant de 600 millions de dollars à 1 million, 200 millions, 1 milliard de dollars, voilà, pour l'armée. C'est la sécurité de l'Arménie. En faisant du tourisme en Arménie, comment dirais-je, vous garantissez la sécurité de l'Arménie au niveau de son armement, au niveau de son armée, entre autres, hein, et aussi de l'économie. Voilà. Pachinian a appelé donc hier Poutine. Bien sûr, il a parlé donc de l'Artsakh, de la situation en Artsakh, et du non-respect par l'Azerbaïdjan de toutes les conventions, de toutes les pardon, de tous les éléments signés en commun, donc le 9 novembre 2020, et puis ceux qui les trois éléments, le 11 janvier 2021, le 26 novembre et 31 octobre 2022, donc tous les accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'arbitrage de la Russie, donc l'Azerbaïdjan qui ne respecte pas, donc ne serait-ce qu'au Karabakh ou à la frontière de l'Arménie, tous les engagements. Voilà, donc c'est ce que Pachinian a fait part à Poutine. Après, Poutine, il écoute que ce qu'il écoute. Il est en relation importante avec la Turquie et l'Azerbaïdjan, et l'Arménie sans doute passe en troisième position, malheureusement. On verra donc dans les semaines qui viennent. Le Parlement de Chypre a adopté une résolution condamnant l'Azerbaïdjan pour le blocus du corridor de la Chine et puis pour l'attaque de la frontière arménienne aussi souveraine. Mais bon, c'est une nouvelle condamnation. On en connaît une vingtaine de condamnations, une trentaine. Mais quels sont les effets? Donc, les effets sur Aliyev, le dictateur, sont pratiquement minimes, hein, puisqu'en fait, il n'écoute personne. Fort que Erdogan, derrière, doit assurer en disant je vous couvre diplomatiquement, faites ce que vous voulez, n'écoutez pas voilà, dites oui, mais ne faites le contraire, tout simplement. Toutes ces condamnations, ne serait-ce que le tribunal de La Haye, qui est le plus de justice, qui est le tribunal de l'ONU, hein, qui est le plus important, qui a demandé à l'Azerbaïdjan de lever le blocus, et l'Azerbaïdjan, en février, c'était je crois le 22 février, et depuis, rien ne se passe. Donc toujours le blocus est toujours là, avec la complicité de la Russie, puisque la Russie est aussi à la sécurité du corridor de la Chine, et qu'elle n'arrive pas ou qu'elle ne veut pas arriver à débloquer. Peut-être Poutine, par cela, veut lancer un message à Pachinian de ne pas trop s'approcher de l'Union européenne et de l'Occident. C'est peut-être la guéguerre, hein, entre Poutine et Pachinian. Malgré les coups de fil, malgré les photos, malgré tous les éléments de la diplomatie derrière, il y a sans doute une véritable guerre entre Moscou et Erevan. Moscou a des intérêts avec Bakou et Ankara, un peu moins avec Erevan, surtout qu'Erevan tente d'aller dans le camp occidental. C'est un crime de lèse-majesté auprès du dictateur, des dictateurs, hein, ne serait-ce que Poutine. Voilà, donc peut-être c'est une vengeance. Le corridor de la Chine est peut-être une vengeance de cela, de l'Arménie qui va vers l'Occident, vers l'OTAN, vers les États-Unis, vers l'Europe. À tort ou à raison, on ne sait pas. Donc on a, nous, chacun notre jugement. Mais l'Arménie peut naviguer entre les deux, entre le monde russe, qu'elle ne peut pas lâcher comme ça, mais aussi avec le monde occidental, avec des valeurs communes. Hein. Nous avons des valeurs communes avec l'Occident. D'ailleurs, nous, on est pleinement donc imprégnés de cette culture. Voilà le dilemme de l'Arménie, donc, et qui peut être sanctionné donc pour cela. Mes amis, donc je vous laisse aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin rapidement, puisqu'après on va aller à l'église arménienne de Romans pour assister à la messe de Pâques. La messe très belle avec le père Houssik Sarkissian, une très belle messe. Il y a aussi une messe ici à Valence, donc à l'église Saint-Sag. Voilà mes amis, donc à demain, bonne journée.